Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi quand je bois mon café, j'ai l'impression qu'on me fait un gros câlin. Le matin, vraiment, ça me rend moins grognon, mon café. Je construirai notre tour de Babel. Pas l'Éternel qui a fait construire la tour de Babel. Il a arrêté la construction de la tour. J'ouvrirai l'océan. C'est l'Éternel qui a ouvert l'océan par Moïse. Amen. Oh, il n'y en a pas d'autre. Seul l'Éternel est Dieu. Je t'aimerai si fort que tu seras la plus belle. Je graverai ton nom avec le feu du soleil. Je construirai pour toi une autre tour de Babel. Oui, pour toi, bien que pour toi. Ah, les années 80, c'est quand même irremplaçable, hein, les amis. Hein. Amen. Ça sera remplaçable que quand on aura la nouvelle terre avec Jésus. Amen. Les musiques d'aujourd'hui ne sont rien comparées à celles des années 80. On n'a même plus de sens maintenant, on ne comprend rien aux musiques. J'écoutais Aya Nakamura là une fois parce que je ne savais pas c'était qui, je ne savais pas. Ferme la porte à la cookie, c'est qui cookie ? Connaît pas sa vie, madame. Elle chante sa vie. Mais mets les cookies dans le sac, ferme la porte à la cookie. Ah, c'est... C'est poétique. C'est comme dire j'achète des pépitos au casino. C'est poétique, ça rime. Tu vois, je pourrais faire une chanson. Ah, 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 je vais vous faire témoignage. Ah, attendez. Je cherche l'astro biblique chrétien. Alors, je vais vous faire témoignage, les amis. Déjà, shalom à tous, bienvenue, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. C'est bien, mes petits choux, vous veillez, vous priez. C'est bien, il faut continuer ça. Il faut continuer parce que ben, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Allez, l'astro biblique chrétien. Allez, voici l'astro biblique chrétien. Ouais. Loué soit l'Éternel, notre Dieu. Ouais. Amen. Amen. Dieu, fais-nous prêcher, Éternel, devant toi, emplis nos genoux. Des idoles, on n'en a rien à faire. Ça, c'est sûr, oui. C'est toi qui jugeras tout. Cette tête. Alors, le corps du Christ. Eh ben, le corps du Christ. Oh non, c'est pas vrai. J'ai pas de verset biblique. Non. Ils sont mes versets bibliques. Le corps du Christ est dans la maison Colombe. Amour. Allez, je prends des versets au hasard. Oh. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. Allez, après il y a quoi Santé. Allez. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre, la plus belle des femmes? Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Il a la santé. Il y a des femmes qu'on a bien aimé, qui n'a pas la santé. Nous, il a la santé, l'époux. Amen. L'Église a un époux en bonne santé, les amis. Pour que tu nous conjures.
jure ainsi, mon bien-aimé, blanc et vermeil, se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corps. Ses joues sont comme un parterre d'aromates. Ok. Amour, santé, travail. Amour, santé, travail. Travail. Allez. Travail. Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Alors cet horoscope, il a quelque chose de particulier quand même. Parce que j'avais mes versets, mais j'ai pas retrouvé mes versets. Et du coup, j'ai décidé de le faire sur le coup de tête. Mais du coup, le Seigneur, il m'avait fait rire un jour en live. Il me dit, Avril, on fait qu'un seul corps tous ensemble. Moi aussi, j'ai le droit à mon astro biblique chrétien. Donc, c'était dans sa volonté, en fait, pour me faire rire. Que j'avais pas retrouvé mes versets, puis que voilà, que j'avais décidé sur un coup de tête, il savait comment j'allais réagir, et puis voilà, les versets, bah finalement, c'était pas vraiment dû au hasard, parce que bah voilà, un roi quoi, vas-y, raconte, raconte-nous. Un parterre d'aromates. Attends, ok. Bah, ça parle de l'époux. Travail. Travail. Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Tu vois que c'est l'horoscope pour le Seigneur, quoi. C'est son horoscope à lui, c'est pas le nôtre. Mais on fait qu'un seul corps avec lui, amen. Un roi, et c'est notre roi, hein. Il a fermé le pays avec la justice, les amis, amen. Bah déjà au début, ça parlait du bien-aimé. Qu'a ton bien-aimé plus que les autres? Il est beau, notre bien-aimé, il a la santé. Il est merveilleux. Tiens, bah, d'abord, je lui ai rendu grâce, là, sous l'inspiration de l'Esprit. Grâce te soit rendue éternellement, Dieu en Jésus-Christ. Je sais que tu es grand, que tu es glorieux, que tu es mon bien-aimé, notre bien-aimé, oh là là, mais que tu t'abaisses pour nous être favorable, amen. J'ai chanté sous l'inspiration de la grâce ce matin à l'église, alors là j'ai dit, faut que je retienne l'air, et faut que je m'enregistre, parce qu'il faut que je fasse écouter ça aux élus. Ah oui, je vais vous faire écouter ça. Si vous avez jamais entendu quelqu'un chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit, ben, je vais vous faire écouter ça, mes petits choux, ça sera un petit bonus après. Bon, l'horoscope. Et argent? Argent. Argent. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du taureau le perceront. Et les petits de lait. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? Oh mon Dieu. Ah 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 ah. Et ça, il me l'avait déjà dit. La divine providence a parlé, amen, et dit que ton œil ne soit pas pour toi une occasion de chute. C'est ça que ça veut dire, le verset, amen. De déshonorer tes parents, ou de déshonorer la femme de ton prochain en la convoitant, ou l'argent, en regardant l'argent, le matériel, c'est te déshonorer toi-même, que ton œil ne soit pas pour toi une occasion de chute. Donc si, ça a à voir quand même quelque chose, vous voyez que je m'étais plutôt pas mal débrouillée. Le mangeron. Et c'est complémentaire. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Ah. Eh ben, gloire à Dieu, hein, j'ai pris des versets bibliques au hasard pour station biblique, et puis je m'en tire pas mal. Oh, je m'en tire pas mal. Attendez. L'insensé, quoi? Non, mais je réécoute le dernier, excusez-moi. Sage la contient. Attends. Et bien, c'est complémentaire. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. C'est vrai ça, c'est vrai. L'insensé met en dehors toute sa passion. Les gens du monde vivent dans l'orgueil, dans les mauvais désirs, dans les disputes, dans les querelles. Ils sont hautains, fanfarons, blasphémateurs. Et c'est visible aux yeux des autres. C'est visible aux yeux des autres parce qu'ils mettent tout en dehors. Un disciple de Jésus ne met rien en dehors. Il ne met plus rien en dehors. Il est mort en dehors. En dehors, c'est une pierre tombale, c'est vide. Il n'y a pas besoin de pot de fleurs, il n'y a besoin de rien. C'est à l'intérieur qu'on met quelque chose. Amen. Eh bien, gloire à Dieu, hein, j'ai pris des versets bibliques au hasard pour station biblique, et puis je m'en tire pas mal. Bonne journée à tous, loué soit l'Éternel. Heureusement que Dieu est bon, les amis. Amen, heureusement que Dieu est bon. Alors, mes petits choux, ce matin, on ne va pas s'ennuyer, non. Donc, que la paix... Ah, je vous ai fait une belle salutation. Que la paix soit avec vous, que notre Seigneur, l'Esprit de vérité et de toute grâce, vous comble de sa bonté et vous donne la joie de ressentir sa présence aujourd'hui. Amen. Alléluia. T'as vu comment c'est beau? Allez, donc je me présente plus, hein, la plupart me connaissent, mais
Il est bon quand même de le dire, de le rappeler, que je m'appelle Avril, parce que c'est le Seigneur qui m'a rebaptisé ainsi, les petits choux. Le Seigneur m'a donné un nom nouveau avec une pierre, la pierre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Amen. La pierre de Lichtus. Alors, on va faire un temps d'étude. Juste un, pas deux. Amen. Et puis j'en ferai un à 14h cet après-midi. Ah, ouais. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ah, c'est lui l'andouille. Non, je rigole. Samedi 16 mars, Philippiens. C'est Philippiens l'andouille. Le Seigneur va se fâcher. Philippiens chapitre 2, les amis. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il a pris une condition de serviteur. Un serviteur, c'est une brebis. Le berger, c'est le berger. Le berger s'est fait brebis, s'est déguisé en brebis. Comme les loups se déguisent en brebis. Amen. Mais les loups ne sont pas le berger. Allez, on va louer l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. On va invoquer le Seigneur. Moi, il m'a donné le nom de Je suis. Alors, ça m'étonnerait. Pour être très honnête avec toi, moi je suis quelqu'un qui cache et qui parle en vérité. Ça m'étonnerait beaucoup que le Seigneur te donne un nom qui lui appartient. Parce que ce qui appartient au Seigneur, ça appartient au Seigneur. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il te donne le nom de Je suis. Hein. En plus, le nom de Je suis n'est pas un nom, mais un titre. Un titre uniquement réservé et donné à Dieu. Parce que Dieu est Je suis ce que je suis. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Amen. La preuve. Il est devenu l'Église. Il est l'Église. Il s'est fait Église. Il s'est fait homme. Et c'est nous, l'Église. Il est devenu nous. Nous sommes à son image. Donc, ça m'étonnerait que le Seigneur t'ait donné ça. Voilà. Merci de ne pas faire de faux témoignages sur mon live. Parce que ça m'agace dès le matin. Et de ne pas venir adorer ici vos idoles. Parce qu'elles auraient très peu de chances d'être glorifiées. Voilà. Ici, on est entre élus de Jésus-Christ. On se regarde les uns les autres par amour, pour se servir les uns les autres, pour s'aimer les uns les autres. On s'exhorte, on se reprend, on se censure, on se corrige. Donc, ayez de l'humilité, mais ayez surtout de la vérité. Hein. Celui qui voudra s'élever parmi nous, qu'il soit notre serviteur. Soit notre serviteur, comment tu t'appelles donc attendez, saz.d. Soit notre serviteur. Amen. Nous ne pouvons parler d'amour les uns entre les autres. Ben si, si, un disciple de Jésus, il est dans l'amour. Amen. Mais il est surtout dans la vérité. On a le sel de la terre, on a le sel de la vérité, on est la lumière du monde. Donc, à partir du moment où on voit des ténèbres, on les condamne. Le feu du Saint-Esprit brûle les ténèbres. Allez, on a invoqué le Seigneur, rendons-lui grâce, chers amis, chers élus, de pouvoir nous retrouver ensemble ce matin sur ce live, de pouvoir veiller et prier ensemble. Amen. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ, ça démarre mal, hein, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? Amen. Ben, bien sûr que si, hein. Le Seigneur est notre consolateur. Et les élus même qui nous aiment pour obéir à Dieu sont une consolation. Parce que dans ce bas monde, on trouve quand même beaucoup plus de gens qui nous font du mal que de gens qui nous font du bien. Donc quand on tombe sur un élu, oh, c'est comme si tu tombes sur un oasis en plein désert. C'est un rafraîchissement pour l'âme. Amen. On a trouvé dans l'amour un encouragement. Amen. Quand on voit quelqu'un aimer l'autre, ça nous donne envie nous aussi d'aimer les autres. Parce que c'est tellement beau, ça fait tellement bien. Que nous aussi, on veut être un oasis pour les autres. Et avez-vous pas trouvé par l'Esprit une communion entre vous? Bien sûr que si, puisque nous sommes unis. Le Seigneur est vivant, c'est lui qui nous unit. C'est ce que j'avais déjà chanté comme... j'avais chanté avec toute l'Assemblée des Saints, sous l'inspiration de la grâce. Mais ce matin, j'étais à l'Assemblée des Saints, et poum, le Saint-Esprit m'a inspiré pour que je chante. J'ai bien l'impression que j'ai chanté seule devant l'Assemblée des Saints. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Amen, bien sûr, bien sûr. Et s'aimer, c'est se dire la vérité. Se dire la vérité, donc on ne doit pas faire de faux témoignages. S'aimer, c'est ne pas se voler les uns les autres ou profiter des uns des autres. S'aimer, c'est pas vouloir
asservir les autres, mais les servir. Et s'aimer, c'est obéir à Christ, amen, qui nous demande d'aimer les autres. Amen. Donc on n'attend rien des hommes, puisqu'on le fait pour Christ. Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, il y a le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Alors attendez mes petits choux, parce que là, Jésus n'a-t-il pas dit « Je reviendrai comme un loup parmi vous ?» Ah oui, tu connais les paroles de Jésus, Saz D. Non, Jésus, il n'a pas dit ça. Non. Jésus, il ne nous a pas condamnés, il ne nous a pas jugés. C'est pas un loup. Hein? Les loups nous accusent, les loups nous jugent. Jésus, lui, c'est notre avocat, c'est notre bon berger. Il revient comme un voleur au milieu de la nuit. Mais reste là, tu as besoin d'entendre et de faire des petites mises à jour à propos de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu n'as pas dit la négation pour commencer. Et c'est important que je le dise. Ma liberté en Christ, tu ne dois pas l'utiliser. Je fais mon live comme je veux, je témoigne de Jésus comme je veux. Même si je voulais pécher sur ce live, le Seigneur, il nous a laissé un libre arbitre que tu ne dois pas te permettre d'utiliser. Que celui qui est souillé se souille encore, donc il y a des gens qui veulent se souiller, c'est leur problème, mais ils ont le droit de se souiller encore, ils ont un libre arbitre. Que celui qui est pur se garde pur. Amen. Mais bon, puisque... puisque, voilà, c'est ça, la personne qui n'a pas d'humilité, à partir du moment où vous allez la reprendre, la mettre dans la vérité, l'exhorter, la censurer, parce qu'il faut censurer, hein, une personne qui vous dit que Dieu lui a donné son nom ou son titre, hop, ça faut censurer les amis. Il y a un seul éternel. Les noms de l'éternel sont à l'éternel, les titres de l'éternel sont à l'éternel. On ne peut pas s'approprier la gloire de l'éternel, c'est dans l'humilité que Christ nous a montré un modèle de comment marcher et glorifier le Seigneur, j'allais dire, c'est pas glorifier le Seigneur parce que le Seigneur est glorieux, il faut que j'arrête avec ça, c'est une sale habitude, mais comment servir le Seigneur, c'est dans l'humilité, d'accord, que celui qui veut s'élever parmi nous, et quand les hommes se donnent des titres de notre Dieu, ou des noms de notre Dieu, c'est pour s'élever parmi nous, c'est l'orgueil en eux qui parle, d'accord, donc ça faut censurer les amis, ça passe pas, il n'y a pas, faut pas laisser faire ça, parce que ça c'est comme du blasphème. D'accord? Faut pas laisser faire ça. Parce que cette personne, au milieu de nous, en utilisant les titres et les noms de notre Dieu, elle veut se faire Dieu. C'est l'esprit du démon qui parle en cette personne. Vous comprenez? Donc, quand vous reprenez cette personne et qu'elle vous écoute pas, vous pouvez lui laisser une seconde chance, la laisser faire une petite mise à jour, mais souvent, voilà, ça dérape comme ça. Cette personne va vous accuser, trouver des petites choses à redire, elle va continuer à piquer parce que vous avez piqué là où ça fait mal. Vous l'avez censuré, vous l'avez remis à sa place. Ta place, c'est d'être serviteur. T'es une brebis, t'es pas le berger. Voilà. Il y a un seul grand pasteur du troupeau, c'est Christ. Amen. Si t'es pas d'accord avec ça, tu peux t'en aller. Ici, sur ce live, sont bienvenus les serviteurs de Christ. Ceux qui ne le sont pas sont bienvenus aussi, mais ceux qui ne veulent pas l'être ne sont pas bienvenus. Et toi, tu veux pas l'être. Tu veux pas être serviteur de Christ. Tes œuvres sont mauvaises. Tu veux t'énorgueillir à la place de prendre la gloire du Seigneur. Tu peux pas t'approprier la gloire du Seigneur. Amen. Allez, faut censurer hein, ça, les amis. Quand vous voyez un truc comme ça, vous laissez pas passer. Ça, c'est comme le nom d'une idole et tout ça. Hop, c'est comme le blasphème. Vous censurez. Donc, rendez donc ma joie parfaite, dit le Seigneur, et complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Alors, des fois, il y a des petites tensions comme ça, je rends gloire à Dieu, parce que c'est un très bon exemple. Cette personne, il ne faut pas y rendre le mal pour le mal, mais il faut la censurer dans ce qu'elle dit et rétablir la vérité. Parce qu'on est comme Christ, à l'image de Christ. Jésus est un réparateur de brèches. Il restaure. Et nous, il restaure l'âme. Il nous restaure dans notre vie spirituelle. Il restaure la paix dans le monde, la justice dans le monde. Il restaure le bon fonctionnement de notre terre. Il dirige notre Dieu. Il est plus grand que nous. Mais nous, on doit être des restaurateurs. Ouais, on fait des plats, on fait la cuisine, c'est comme dans Louis de Funès. T'enlèves la cuisse.
On est des réparateurs, on restaure, c'est ça que je veux dire, des restaurateurs. On restaure la vérité. Amen. La vérité absolument, parce que et la vérité c'est l'Évangile. Donc faut citer les Écritures. Et le Seigneur nous demande de censurer, corriger, reprendre, exhorter, donc de faire chez les gens, de leur permettre d'entendre la vérité afin qu'ils fassent des petites mises à jour. Après, ils utilisent leur libre arbitre comme bon leur semble. S'ils veulent faire la petite mise à jour et entendre ce qu'on leur dit et changer leur attitude, c'est bien. Mais s'ils veulent toujours demeurer dans leur bêtise et ne pas avoir d'oreille pour entendre, tant pis, il faut les laisser faire. Ils utilisent leur libre arbitre. Amen. Alors, on doit rendre la joie du Seigneur parfaite en demeurant les uns avec les autres. Demeurer les uns avec les autres, c'est en esprit. Quand on s'unit comme ça, il faut se supporter les uns les autres. S'il y en a un qui pêche, ben, faut le reprendre, faut l'exhorter. Dans la vérité, bon, faut pas oublier la douceur, parce que moi j'ai tendance à être cash. Mais des fois, il vaut mieux être cash que de perdre ta saveur en étant trop doucereux. Parce qu'il ne faut pas faire du lèche-bottage aux gens. Hein. Quelqu'un, il a un libre arbitre. S'il veut obéir au Seigneur, il obéit. S'il ne veut pas obéir, il n'obéit pas. Le Seigneur nous dit une belle chose. Il nous dit que le monde, c'est des enfants et qu'il est père. Il faut se conduire comme quand tu es une brebis de Christ, il faut se conduire en imitation du Père, en imitation de Jésus-Christ. Amen. Qui nous a donné un modèle. Il allait visiter les enfants de mauvaise vie. Il les reprenait, il mangeait avec eux. Mais à partir du moment où les personnes ne voulaient pas se repentir, ben il les laissait aller. Amen. Ce jeune homme riche, j'en ai parlé hier à un frère, le jeune homme riche, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Voilà. J'en ai parlé au frère en lui donnant l'exemple par rapport à l'argent. Est-ce qu'il faut bien mourir à la chair, au monde? Bien sûr. Puisque Jésus, c'est ce qu'il demande au jeune homme riche. Va avant tout ce que t'as et suis-moi. Amen. Ce jeune homme riche, quand Jésus lui demande de le suivre, ben, il est tout triste parce qu'il a de grands biens dans le monde, donc il ne renonce pas à lui-même. Il fait le choix d'aimer les ténèbres et il fait le choix de ne pas suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ est une liberté, les enfants de Dieu. Amen. Et quand vous prêchez, vous exhortez, vous censurez, vous corrigez, pensez bien que vous avez un enfant en face de vous. Donc c'est à vous d'être l'adulte dans l'histoire. C'est à vous d'être ferme. Amen. Faut pas être dur, faut pas être méchant, mais faut être ferme. Faut avoir une certaine autorité. Comme si tu étais un parent avec ton gosse, tu fais pas tout et n'importe quoi. Je suis disciple de Jésus-Christ, je représente le Christ. Je viens te parler de lui en son nom, je vais te respecter, t'aimer, te laisser ton libre arbitre. Mais tu vas pas blasphémer, tu vas pas voler son titre, tu vas pas t'enorgueillir, tu vas pas, voilà, je vais te reprendre, amen. Et si tu te laisses pas reprendre et que tu te rebelles, eh ben tu peux, je secoue la poussière de mes pieds puis tu peux repartir. Donc se supporter les uns les autres, ça demande des efforts, amen. On va devoir aller vivre dans le royaume du roi des rois, du seigneur des seigneurs. C'est un royaume merveilleux, rempli de gens qui obéissent à Dieu, qui aiment Dieu. Mais, dans ce royaume, ben, y a des gens avec qui vous vous entendrez peut-être pas forcément. Pourtant, on a un même esprit. On doit avoir tous une même obéissance, une même conduite, des mêmes paroles en Dieu. On doit se supporter les uns les autres. Ce commandement n'est pas en vain, les amis. Hein. Amen. Ici, on vit dans un monde de péché. Donc, vous et moi, on a nos têtes, il y a des élus qu'on préfère, d'autres on s'entend un peu moins avec, mais on leur fait pas de mal, on les laisse de côté. Voilà, on a nos têtes, moi j'ai mes têtes. Amen, ça c'est clair, alors que je devrais pas fonctionner comme ça, parce que c'est toujours un truc charnel. Mais Seigneur, il te dit rien, parce que il y a quelques consolations pour l'instant, il y a quelques consolations d'esprit en Christ. Donc ça veut dire que tu vas pas forcément t'entendre avec tous les frères et sœurs. Tu vas respecter, devoir respecter tous les frères et sœurs, foutre la paix à tous les frères et sœurs, les laisser dans leur libre arbitre, mais tu auras plus d'affinité avec certains que d'autres. Et Seigneur, il laisse comme ça pour l'instant, mais quand on ira dans son royaume, il changera certaines choses. Mais en tout cas, dans son royaume, il faut que vous sachiez une chose, les amis. C'est que dans le royaume de Dieu, il y a des anges,
C'est des anges qui obéissent au Seigneur, qui ont des missions. Amen. Il y en a qui combattent aux côtés du Seigneur. Et t'as des anges, ils sont pas du tout... On s'imagine un ange tout doux, tout gentil, tout merveilleux, tout... Ils sont pas du tout... T'as l'impression qu'ils sont pas amitieux. Non, mais c'est vrai. T'as l'impression qu'ils sont pas amitieux. Quand l'ange de l'Éternel est venu chercher ma fille ici, qu'elle a fait sa première sortie de corps et qu'elle a été dans le royaume de Dieu. Amen. Elle était une petite lumière dans l'âme. Son âme était une petite lumière. Et l'ange était plus grand qu'elle, beaucoup plus grand. Il avançait vite avec ses grandes jambes, tu vois. Et il avait la petite par la main, enfin la petite de 16 ans quand même. Mais il l'avait par la main et puis il conduisait cet enfant dans le royaume de Dieu. Amen. Et elle avait du mal à le suivre et tout. Et elle dit, quand je lui parlais, maman, c'est tout juste s'il me répondait. Et il ne perdait pas son temps à me répondre parce qu'on traversait les ténèbres ensemble. Il y avait des néphilim autour et des néphim, des hommes mauvais, violents, qui venaient, qui l'attaquaient, donc qui se battaient. Amen. Et je lui posais des questions et je sentais, elle dit, c'est tout juste si je sentais que je le dérangeais. Que j'ai, voilà, il a supporté en fait. Amen. Et les anges du Seigneur, ils sont comme ça. Ils vivent sous l'autorité droite de Dieu depuis longtemps et ils sont dans une habitude un peu. Ils sont en Dieu. Ils sont en communion avec l'assemblée. Ils travaillent pour cette assemblée, ils ont des missions. Mais c'est comme s'ils ont une autorité à eux-mêmes et c'est comme s'ils sont solitaires. Et c'est comme si quand tu vas t'adresser à eux, ils vont te répondre par politesse, mais ils vont te montrer, c'est comme si qu'ils te montraient que ils sont pas là pour te répondre, en fait. Amen. Celui qui a réponse à tout, c'est Dieu. C'est à Dieu que tu dois t'adresser. Et ils ont raison d'agir comme ça. Je vous assure que je leur jette pas la pierre. Parce que, ils sont pas l'autorité suprême. Et c'est à Dieu qu'on doit s'adresser. Amen. Quand on a quelque chose à demander. Donc, l'ange de l'Éternel faisait juste son devoir. Et je lui ai dit, ma fille, c'est bien. Si tu t'es arrêté de parler, que t'as vu que ça passait pas, voilà. Parce que, enfin, ça passait pas, ça passait. Il lui a répondu, il a été respectueux, il a fait les choses correctes. Mais, elle a senti qu'il fallait qu'elle arrête, en fait, qu'il n'était pas là pour ça. Voilà. On va aller vivre dans un royaume, les amis. Amen, de Dieu. Enfin, je l'espère de tout mon cœur, vous et moi, qu'on va aller vivre dans ce royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est pas le monde. Dans le monde, tu peux adapter ta conduite à chaque individu. Dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, tu n'adaptes pas ta conduite à chaque individu. Tu as un modèle de conduite, c'est Christ, et c'est ce modèle-là pour chaque individu. Amen. Donc, tu peux être changeant. Hein. Ici, dans le monde, si t'as pas envie de parler à quelqu'un, tu lui parles pas. Si t'as envie d'aller voir quelqu'un, tu vas le voir. C'est pas comme ça là-haut. Amen. Là-bas, si t'as pas envie de parler à quelqu'un, le Seigneur va te dire, hein, comme il a dit à Pierre et puis à un autre disciple par rapport à Matthieu, il faut y parler. Le Seigneur, justement, il t'enverra vers ceux t'es moins en affinité avec eux et tout ça. Il t'enverra vers ceux-là parce que le Seigneur est uni. Amen. Il est vivant, il est uni. Et Seigneur, il veut pas qu'il y ait des accords entre nous, qu'il y ait des rancunes, qu'il y ait des méchancetés ou qu'il y ait des petits groupes de partis, des trucs comme ça. Il veut pas ça. Il abolit ça. On va aller vivre dans un royaume, les amis, qui n'est pas comme ce monde. C'est un royaume parfait. Amen. Et c'est pour ça que là, on est en train d'apprendre à être parfait. On est en train d'apprendre la vérité, la sainteté, la paix, la miséricorde et j'en oublie un, l'obéissance. Amen. Aujourd'hui, j'oublie pas la sainteté, je l'ai dit en premier, la sainteté, l'obéissance. Voilà, on est en train de tout apprendre ça, parce que dans le royaume de Dieu, on ne sera plus dans l'exercice de ces choses-là, mais on sera vraiment dans ces choses-là, et on va devoir travailler pour le Seigneur, les amis. Amen. Les anges, on est destiné à être des anges, à être semblables aux anges dans le ciel, il n'y a plus ni homme ni femme. Les hommes ne prendront pas de femmes, ils seront tous semblables aux anges dans les cieux, à la résurrection, amen, donc dans les cieux. Et un ange, il obéit qu'à Dieu, amen. Cet ange était venu avec la mission de venir chercher ma fille, de la protéger des néphilim, de l'emmener au royaume de Dieu. Il a fait sa mission.
elle lui pose des questions, il lui a répondu, c'est très gentil, amen, mais c'est pas son rôle de répondre aux questions, parce qu'il n'est pas Dieu, l'autorité suprême qui a des oreilles pour entendre quand tu as des questions, ton ami, ton admirable conseiller, c'est Dieu, c'est à Dieu qu'il faut t'adresser, pas aux anges. Les anges, ils ont des missions et ils achèvent leur mission. Un peu comme dans GTA V, tu fais ta mission et point barre. Donc, on doit rendre la joie de Dieu parfaite en et tendre à vivre en accord les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Tu me casses la tête, je vais rester en paix avec toi, je ne vais pas te rendre le mal pour le mal. Mais je vais quand même te dire tes quatre vérités, parce qu'il faut que tu entendes la vérité. Amen. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. Un chrétien doit viser toujours le même but. Sur le chemin de Christ, il te faut l'amour. Voici mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. L'amour, c'est Dieu. Et en Dieu, après, il y a tout le reste. La foi, la vérité, l'obéissance, le zèle, la bénignité. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il te faut. La lumière, le sel, il y a tout. Donc, il faut toujours rechercher quand même l'amour en premier. Amen. Quand tu exhortes, tu censures, tu corriges, tu reprends, c'est par amour que tu le fais. Parce que la personne, elle est dans l'égarement. Et tu as envie de mettre fin à son égarement pour la ramener à Christ, pour la ramener à la vérité. Mais si cette personne n'écoute pas, tu n'y peux rien. Amen. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Voilà. Vous en avez eu un aperçu là, il y a quelques secondes. Avec ce frère qui s'approprie le nom de Jésus, je suis ce que je suis, c'est le nom de Dieu ça. C'est comme si tu étais en train de nous dire que tu t'as assis ce matin là sur le trône de Dieu. Faut arrêter la bêtise, d'accord. Un seul est notre chef, un seul a ses titres, sa gloire, c'est Dieu. On entre dans la gloire de Dieu, mais la gloire ne nous appartient pas. Les titres de Dieu ne nous appartiennent pas. Donc on ne doit rien faire par rivalité, les amis, ou par par un vain désir de nous mettre en avant. L'orgueil, ça doit être quelque chose d'aboli chez nous. Amen. Si tu vois que tu as de l'orgueil comme ça, vraiment prie, je te recommande de prier et de demander à Dieu d'anéantir l'orgueil. Amen. Pour ne plus justement commettre de péché comme ça et t'approprier les choses qui reviennent exclusivement à notre Dieu. Au contraire, par humilité, donc boum, il réappuie sur ce que je vous dis, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et c'est pour ça que j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, hein, je vais citer comme la Bible, toi qui veux t'élever parmi nous, sois notre serviteur. Amen. Parce que tu nous donnes le titre de Dieu, tu dis que Dieu t'a donné son titre pour qu'on t'adore en fait, qu'on te regarde avec idolâtrie, qu'on t'envie, tu vois. Celui qui voudra s'élever sera abaissé. Amen. Et cet homme a été abaissé parce que la parole de Dieu même l'a abaissé. On doit regarder les autres comme étant plus grands que nous. Amen. On est des serviteurs dans l'église de Dieu. On n'est pas là pour se montrer par rapport aux autres, pour être en compétition. On est là pour s'exhorter, se reprendre, se censurer, se corriger, se rappeler les écritures de Dieu. Les écritures de Dieu, du Christ, parce qu'il y a des écritures de, soi-disant de Dieu, hein, toute écriture qui est inspirée de Dieu, et seule la Torah et l'Évangile sont inspirées de Dieu, amen, est bonne pour reprendre, censurer, corriger, exhorter, etc. Amen. Pour édifier l'Église. Si tu viens pour être édifié dans l'Église, c'est que tu n'es pas supérieur à Dieu, c'est que tu n'es pas supérieur aux autres. Sois humble, fais-toi petit. Amen. On rentre dans la gloire de Dieu par l'humilité, en s'abaissant devant Dieu, en se faisant serviteur. Si déjà tu as un problème d'orgueil, tu ne peux pas avoir accès à Dieu. Tu ne peux pas marcher sur le chemin de Jésus. Amen. Jésus a pris l'apparence d'un serviteur parce qu'il est venu nous montrer un modèle de ce qu'on doit faire. Dieu est Dieu dans son royaume, à lui la gloire. Amen. Jésus est Dieu dans son royaume. Mais c'est dans l'humilité
C'est en se faisant serviteur qu'on se met au service de Dieu même. Et être au service de Dieu, c'est avoir des missions pour les frères et sœurs, donc pour l'Église, pour toute l'assemblée des saints. Amen. Considérez les autres comme plus importants que vous, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Amen. Donc, c'est à ça qu'on doit aspirer, les amis. À supporter les frères, et à rechercher chez les frères les fruits du Saint-Esprit qui abondent dans leur cœur, mais aussi à les aider à trouver leur place. Est-ce qu'ils ont des dons pour l'enseignement? Est-ce qu'ils ont des dons pour la prière? Est-ce qu'ils ont des dons pour la louange? Est-ce qu'ils ont, des dons pour l'exhortation? Est-ce qu'ils ont des dons pour l'intercession? C'est ça, on doit les aider à trouver leur place. Alors moi j'ai une tête affreuse le matin, je sais, mais bon... On doit les aider à trouver leur place, et si on n'arrive pas à les aider, c'est au Saint-Esprit de les aider à trouver leur place. Parce que le Seigneur lui-même a préparé des places, et au bout du chemin de Christ, poum, tu finis dans ta place, toi. Et ta place, elle est différente de celle de tous les autres. Amen. Le Seigneur, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha point à profiter de l'égalité avec Dieu sur la terre. Il vaut mieux être que paraître. D'accord ? Les gens aiment bien se donner des titres, aiment bien porter des vêtements pour montrer qu'ils sont. Mais il vaut mieux être que paraître. Jésus savait qu'il était Dieu au ciel. Être Dieu au ciel, c'est plus grand qu'être Dieu sur terre. Amen. Le Père est plus grand que moi, dit le Fils. Amen. Parce que Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Et quand le diable même vient proposer à Jésus toutes les richesses des nations, Jésus refuse. Parce qu'il sait qu'il est Dieu au ciel et que toutes les richesses des nations lui appartiennent déjà. Donc il ne cède pas à la tentation du démon. Il n'est pas là pour s'enorgueillir et montrer qu'il est Dieu. Si Jésus n'avait pas été Dieu, il aurait cherché à paraître Dieu. Mais Jésus sait qu'il est Dieu. Quand tu sais que tu es l'épouse de Christ, quand tu sais que tu es l'Église, tu ne cherches pas à paraître. Tu sais que tu l'es. Quand tu sais que tu es riche, tu vas pas chercher à paraître riche. Tu le sais que tu es riche. Les riches n'achètent pas des vêtements de luxe et de marque. Ils mettent des vêtements simples. Parce que justement, ils le savent qu'ils sont riches. Et si jamais ils montrent qu'ils sont riches, ils peuvent être enlevés. Puis des gens très peu scrupuleux peuvent demander une rançon en échange de leur vie. Donc le riche ne veut pas s'aviser à perdre sa richesse. Il va pas chercher à paraître riche. Il va chercher à préserver ce qu'il est. Amen. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus, il est Dieu. Il va pas chercher à être Dieu. Il va préserver le fait qu'il est Dieu. Amen. Il dira même à Pierre, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé que je suis le Christ. Donc que je suis Dieu, le Messie, le libérateur, celui qui est semblable à Dieu. C'est ça que ça veut dire Christ. Donc Jésus, comme il est, oh, ça y est, on est bouché là, les poumons aussi. Jésus, comme il est, il va pas chercher à paraître. Et t'as plein d'hommes comme ça qui cherchent à s'élever au milieu de nous parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Donc ils veulent paraître, ils veulent briller. Ils mettent en dehors l'insensé, mais en dehors sa folie, comme dans l'horoscope biblique. Il fait étalage des choses, tu vois, comme au marché. Si tu veux vendre les choses, faut les mettre en dehors, tu vois, faut tout étaler. C'est un étalage de sa folie. Alors que nous savons que nous sommes élus de Dieu parce que le Saint-Esprit rend témoignage à nos esprits. On sait qu'on est des élus et des enfants de Dieu, amen, par rapport aux Écritures, et on n'a pas envie de le montrer parce qu'on sait que ça se voit. Amen. Donc on n'a pas besoin de s'enorgueillir, amen. On doit vivre ainsi entre nous. Donc dans la paix, dans le respect de la liberté de chacun, mais dans la vérité et en se rendant serviteurs les uns des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter, de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur.
Il se rendit semblable aux hommes, donc aux brebis, d'accord, aux enfants, pour ça que Dieu est Emmanuel, qui devient un enfant. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, de Dieu à être un homme, il a subi une sacrée humiliation quand même. Mais il a voulu, c'était volontaire. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Alors, j'étais heureuse de lire ça ce matin, parce que sur la croix, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Le sang du Fils va couler, l'âme du Père est dans le Fils, dans le sang. Amen. Et ce matin, je suis allée adorer mon Seigneur, donc pour vous faire mon petit témoignage, et j'ai chanté sous l'inspiration de la grâce. Alors, je vais vous faire écouter, mais je vous demande vraiment d'être sympa, parce que je sais que j'ai une grosse voix, en plus le matin, ma voix est cassée. J'ai chanté en esprit, mais j'ai dit, là, que c'est tout chaud comme ça, que c'est bouillant, qu'il y a l'air, il y a les paroles. Je vais essayer de la rechanter avec ma voix pour la faire écouter aux élus qui me suivent, amen, de ce que c'est que chanter sous l'inspiration de la grâce. Parce que oui, ça nous arrive. Quand on est un enfant de Dieu, un élu de Dieu, le Saint-Esprit va te faire chanter. Éphésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc ça nous arrive de chanter. Mais on est inspiré par la grâce. Alors attendez, je n'ai pas pris ce verset. Colossiens chapitre 3, verset 16, alors je ne l'avais pas pris. « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » La grâce, c'est le Saint-Esprit. Ma grâce te suffit. Tu es habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, des fois, il va chanter en toi. Et ça s'est fait en moi. Mais bon, avec ma grosse voix du matin toute cassée, j'ai dit « Je vais quand même essayer de la rechanter, de l'enregistrer. » pour la faire écouter aux élus. Parce que si ça ne vous est pas arrivé, ben ça peut vous arriver. Amen. Et voyez, instruisez-vous et avertissez-vous. Donc tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas dire que j'ai été méchante quand je t'exhorte, que je te censure, que je te corrige, que je te reprends. Parce que je le fais pour obéir à Dieu. Pour être dans l'amour que Dieu m'a demandé, dans la vérité. Amen. Donc on doit reprendre, on doit se reprendre quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Parce que si on est comme des hypocrites, parce que les frères qui viennent, je ne dois jamais rien leur dire de peur de les vexer ou de... Non. On ne porte pas un masque hypocrite. On est le sel de la terre, la lumière du monde. Et un peu comme ces anges, là, comme l'ange qui est venu chercher ma fille, je fais mon service à Dieu et je ne te dois rien que de t'aimer. Donc l'ange ne devait rien que d'aimer mon enfant et de la conduire au royaume des cieux. Amen. Il devait la protéger des néphilim, mais il l'a fait. Il marchait très vite. Il avait des grandes jambes, elle avait des toutes petites jambes. Mais je t'aurais laissé là quand même que tu aurais dû lui dire. J'ai des toutes petites jambes par rapport à toi. Je n'arrive pas bien à te suivre. Est-ce que tu peux ralentir la cadence, le pas, s'il te plaît? Voilà. Et par amour, je suis sûre qu'il aura accepté. Mais peut-être il avait d'autres missions à remplir, peut-être il a un quota de missions à remplir, puis que voilà, dans la foulée, il faisait très vite les choses, et on ne peut pas lui en vouloir, les amis. Amen. Alors, je vais vous faire écouter ce que Saint-Esprit, mon Seigneur, a permis que je chante ce matin. Amen. Et je vous demande de... Ouais, je sais que je chante mal, mais et que j'ai une grosse voix en plus cassée le matin, c'est horrible, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez un exemple de ce que j'ai pu chanter. Amen. Alors, je vais mettre ça ici.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Loué soit l'agneau de Dieu, car il enlève le péché du monde. Alors, j'étais seule à chanter sous l'effet du Saint-Esprit dans l'Assemblée des Saints ce matin, mais c'est la volonté du Seigneur. Amen. Et c'est une adoration hein, à l'agneau de Dieu. Donc, le Père, le Fils dans l'unité du Saint-Esprit sur le trône. Le chat. Merci Philippe, tu lui as répondu bonjour. Et le pape François, tu vas dire qu'il est légitime. Oui, bien sûr qu'on va le dire. Il est légitime. Il se dit chef de l'Église catholique romaine païenne déjà. Elle est romaine, elle est païenne. Qu'est-ce qui l'empêche déjà de s'appeler catholique chrétienne, hein? Elle représente le christianisme normalement, n'est-ce pas? Normalement, elle n'a même pas à représenter le christianisme parce que Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Et l'épouse, la véritable Église, n'est soumise qu'à Christ seul. Donc oui, il est légitime parce que cet homme est orgueilleux. Cet homme s'est élevé parmi les hommes. Il doit être abaissé, bien sûr, mais c'est pas à nous de l'abaisser. Nous, on le dit qu'il doit être abaissé, on l'a condamné. Amen. Que Jésus-Christ l'abaisse. Amen. Et Jésus-Christ l'abaissera. Alors attendez. Alors attendez. Attendez. Ah, on va recommencer. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si je mets pause, ça redémarre tout. Saint est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Loué soit l'agneau de Dieu, car il enlève le péché du monde. Béni soit l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Glorieux est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Pardonne-nous, mon Dieu, toi qui enlèves le péché du C'était monde. beaucoup plus joli en esprit, hein. Pardonne-nous, agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, l'éternel en Jésus-Christ est Amen, Dieu, oui, Jésus-Christ est Dieu. c'est lui qui enlève le péché du monde. Alors, je m'excuse, ma voix est cassée, mais c'était vraiment beaucoup Ouais, plus c'était joli. ce matin. Voilà, c'était ce matin. Ah, ça réveille. Ouh là là. Une pub. Mais c'est obligé de mettre des sons aussi forts. Alors c'est mieux que moi, il faudrait que je fasse des cours de chant. Non, t'as pas à faire des cours de chant parce que si tu cherches à faire des cours de chant, c'est que tu cherches à améliorer la chair. On n'adore pas Dieu avec la chair. C'est avec l'esprit. Et en esprit, tu verras, bah, t'as une voix angélique. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment beaucoup plus beau. Quand tu chantes, moi quand je chante, des fois, les oiseaux m'écoutent, les poissons dans le fond de la mer m'écoutent, les démons en dessous terre, dans les égouts, là, ils se bouchent les oreilles, ils hurlent, parce qu'on a une voix angélique, amen, on a une voix pour louer Dieu, pour la louange, et c'est la voix en esprit de notre âme, amen. Tu l'as cette voix, t'as pas besoin d'aller prendre des cours de chant. Chante. Alors moi, je me reconnais en Jean-Paul II. Ok. Donc, tu es à l'image de Jean-Paul II. Ok. Bah ça, c'est toi. Moi, je suis à l'image de Jésus-Christ. Je suis à l'image du Dieu vivant. Je suis à l'image de l'Éternel.
et je ne veux pas être à l'image de quelqu'un d'autre. Je veux pas ressembler à des boucs ou à des hommes pécheurs, au diable, au Baphomet. Je veux ressembler à mon berger. Amen. Je ne suis pas le berger. Je suis une brebis. Amen. Il m'a béni deux fois collectivement à Rome, puis à Lyon. L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. Nous te croyons, si tu le dis, hein. Mais ça ne nous intéresse pas. Parce que ça ne nous apporte rien. Donc nous, on ne veut pas perdre notre temps avec des discours vains, des choses qui ne nous apportent rien. Voilà. Je suis désolée si ça te semble cache et cru, mais autant te le dire tout de suite. Je t'arrête, ça ne sert à rien de venir de nous parler de Jean-Paul II ici. Jean-Paul II était idolâtré, donc c'est comme une idole. Alors je préfère que tu t'en ailles. Parce que ici, Jean-Paul II, moi, j'en ai rien à foutre de lui. Je te le dis très clairement. C'est un homme pécheur, tous ont péché d'après la Bible, tout homme a péché, il n'y a aucun seul juste, et le seul juste, c'est Jésus-Christ. Donc, tu nous enlèves l'idolâtre Jean-Paul II, là, l'idolâtrie de Jean-Paul II du milieu de nous, s'il te plaît, merci. Ah ben, je suis cash, hein, mais moi, ah non, mais moi, je suis, j'ai tendance certes à être cru et à dire les choses, mais vaut mieux être comme ça qu'être hypocrite, les amis. Amen. Jean-Paul II était idolâtré. Jean-Paul II est un sujet d'idole, d'accord ? C'est une idole, Jean-Paul II. Donc, on ne veut pas d'idole ici. Sûrement là, j'en veux pas. Amen. Merci, mon petit Roberto. Amen. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ ou Jésus-Christ est Dieu ? Dieu s'est fait chair. C'est pas Jésus-Christ qui s'est fait Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est fait Jésus-Christ. Voilà, c'est clair et net, amen. Il faut être clair et net, les amis. On peut pas... Jean-Paul II est béatifié, on s'en fout. On s'en fout de Jean-Paul II qui est béatifié. Non, il n'est pas béatifié. Tous ont péché d'après la Bible. Il faut lire la Bible. La Bible est la vérité. La Bible, c'est les paroles de Dieu. Les hommes modifient les paroles de Dieu en déclarant saint tel et tel homme pour que vous tombiez dans l'idolâtrie. Et vous tombez, ça marche, vous tombez dans l'idolâtrie. Ces hommes-là servent le diable. Il n'y a pas... Jean-Paul II n'est pas un saint. C'était un homme. Un homme comme nous tous, né du péché. Donc, né avec un esprit de démon à l'intérieur de lui. C'est ce que c'est, naître du péché, ça veut dire que t'es né possédé. T'es né avec un alter ego, même des fois deux, trois, plusieurs. Non, Jean-Paul II n'est pas un saint. Tous en péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur Jésus, qui est le seul saint, qui est le seul sans péché, il descend pour nous sanctifier. C'est au moyen du corps et du sang de Jésus qu'on est sanctifié, qu'on est rendu juste. Amen. Donc, on ne peut pas dire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Si on dit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'on accepte des doctrines d'hommes. Ici, on n'est pas religieux et sectaire, les amis. Et on vous invite vraiment à lire la Bible, à vous approcher de notre Seigneur Jésus et à abandonner votre religion d'homme. Amen. C'est un démon, et ça, je suis d'accord avec toi. Jean-Paul II, c'est une idole, et c'est les démons qui se font idolâtrer. Amen. Donc, que personne d'entre nous ne s'élève. Hein. On doit être les serviteurs les uns des autres. Je suis désolée, hein, mais je ne vois pas en quoi ils ont été serviteurs les uns des autres dans la catho-romaine. Hein. Ils ont dépouillé les gens. La catholique romaine a dépouillé les gens, et notamment par des guerres infâmes et par des pratiques occultes. Allez, mes petits choux, on va continuer à étudier la parole de Dieu. Donc, je vous ai laissé entendre un aperçu de ce que c'est. J'y ai pensé parce que là, j'étais surprise même ce matin en lisant ça. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Amen. Il a souffert la mort pour nous tous. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes les amis du Seigneur, nous qui gardons ses commandements. Donc, il est bien mort pour toi. Si tu gardes ses commandements, tu es son ami. Sinon, il ne donne pas sa vie. Si tu n'es pas son ami, il ne donne pas sa vie pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et quand tu vis dans le péché et que tu n'es pas dans la repentance, tu n'es pas un ami du Seigneur. C'est quand tu mets en pratique l'évangile, que tu gardes les commandements du Seigneur, que tu es son ami. Je te demande pardon, chérie, je n'ai pas fini le temps d'étude. J'ai vu qu'il y avait l'ange de l'Éternel, hein. Amen, mais 7h, je ne peux pas rentrer dans l'ichtus parce que j'ai pas fini le temps d'étude.
Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Jésus-Christ a été élevé à la plus haute place. C'est quoi la plus haute place pour vous? Moi, pour moi, la plus haute place, c'est celle de Dieu. Et Jésus s'est assis sur le trône de Dieu. Et Dieu lui a donné... Dieu l'a élevé à la plus haute place parce que Jésus s'est humilié. Amen. Nous aussi, pour entrer dans la gloire, il faut s'humilier. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Et Dieu, quand il t'élève, tu montes au ciel, hein, dans la gloire. Amen. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, le nom de Jésus... Il y a puissance dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas des blagues. Amen. Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Vierge devait donner le nom, enfin le Saint-Esprit a donné le nom d'Emmanuel, mais ce n'est pas un nom, Emmanuel. Emmanuel, c'est un titre qui veut dire Dieu avec nous. Il y a puissance dans le nom d'Emmanuel, mais dans le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est écrit dans Matthieu, dans l'Évangile. Amen. Chapitre 1, verset 1. Il y a la généalogie de Jésus, mais après on nous parle de la naissance de Jésus, parce que c'est le commencement de la vie de Jésus. Donc, sur terre, parce que Jésus, son commencement de vie, il n'en a pas, hein, il est au ciel. Au ciel, il est Dieu. Il n'y a ni commencement, ni fin de vie au ciel. Amen. Il est immortel. Il est Dieu. Donc, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, et c'est le nom de Jésus. Yeshua, en araméen, si vous préférez le dire en araméen. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire en araméen, parce que l'évangile a été traduit dans toutes les langues. Le Seigneur sait que vous parlez des langues différentes, et il ne vous demande pas d'apprendre une langue pour le servir, parce que Dieu est Dieu de tous. À la tour de Babel, c'est lui-même qui a fait toutes les langues. Donc, voilà, et là, on va nous dire... Il a été élevé à la plus haute place et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre. Voilà un verset qu'on doit citer à nos amis musulmans qui disent que Jésus se prosternait et qu'il était le prophète d'une idole païenne. Non, chers musulmans. Jésus est adoré, tout genou fléchi au ciel, sur terre, sous terre, à cause du nom de Jésus, parce que Jésus a été élevé au-dessus, à la plus haute place, sur le trône de Dieu. C'est pour ça que nous, chrétiens, enfin disciples de Jésus, pas chrétiens, nous l'adorons. Et que chacun déclare Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Déclarez-le dans vos esprits. Ceux qui ont l'esprit de Christ, c'est à ça que vous pouvez reconnaître que vous avez l'esprit de Christ. Si vous pouvez déclarer cette phrase dans votre esprit. Si tu ne peux pas déclarer cette phrase dans ton esprit, c'est que tu n'as pas l'esprit de Christ, mais que tu as l'esprit du monde. Tu ne veux pas déclarer ça dans ton esprit parce que l'esprit du monde t'en empêche. L'esprit du monde te remplit de ténèbres et te fait idolâtrer d'autres dieux. D'autres, enfin, sachant qu'il n'y a pas d'autres dieux, de l'idolâtrie. Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est mon Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux dire ça dans ton esprit? Si tu ne peux pas le dire, il faut que tu aies une délivrance. Parce que tu as l'esprit du monde en toi qui t'empêche de le dire. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Il faut continuer. Faites donc fructifier. On te parle du fruit. Fructifier. Votre salut. Le salut, c'est un fruit, un don du Saint-Esprit. C'est une petite graine semée dans ton pot de terre, le cœur. Et si cette petite graine, elle a l'eau de Jésus et la lumière de Jésus, parce que Jésus est l'incarnation, c'est ce que je disais à un frère hier, pour lui expliquer combien est importante la personne de notre Dieu et qu'il faut vraiment n'avoir que Dieu dans sa vie. Dieu est la lumière, Dieu est l'eau de vie. Dieu est le bon berger, Dieu est le sacrificateur, Dieu est le sacrifice, Dieu est le juste juge, Dieu est la loi vivante. Jésus est tout, tout ce que nous avons besoin. Et cette petite graine, bah si tu vas vers les hommes ne peuvent pas arroser cette petite graine ou éclairer cette petite graine pour qu'elle grandisse. Ton salut, c'est une graine de s'élever dans ton cœur et il faut qu'elle fructifie, il faut qu'elle grandisse dans ton cœur.
jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre de vie. Ça y est. Jessica, dégage. Non, non, je ne peux pas dégager. J'ai loupé, là, à 7h du matin. Je ne suis pas rentrée dans l'Ichthus, j'étais avec les élus. Je ne peux pas dégager tout de suite. L'ange du Seigneur est venu. Amen. J'ai vu l'ange du Seigneur venir. Il faisait bouger la lumière, parce que la lumière, ils sont lumière eux aussi. Et la lumière, elle se perd complètement. Elle ne sait plus quelle est lumière à côté d'eux. Elle ne sait plus, ça fait déconner la lumière. Amen. Je sais que je vais devoir dégager, mais pas aujourd'hui, cocotte. Faites donc fructifier votre salut. J'ai le baptême du Saint-Esprit, j'ai le salut, non? Non, tu l'as pas? Il faut le faire fructifier. Pour que tu l'aies, quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis en votre présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Le Seigneur est comme un maître de maison qui est parti en voyage. Il laisse sa maison et il laisse ses commandements, ses ordres à ses serviteurs. Le jour où le maître arrive à l'improviste de voyage, il mettra dehors les mauvais ouvriers et il gardera les bons serviteurs. Amen. Jésus est parti comme en voyage, nous préparer des places. Il a laissé la maison, donc son corps église. Et nous, ses serviteurs, nous avons reçu pour commandement, pour ordre, l'évangile. Donc à nous de pratiquer, d'être de bons ouvriers, de bons serviteurs. On doit travailler avec crainte et respect pour notre Seigneur, même s'il est encore absent, qu'on ne le voit pas encore. Amen. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Tu ne peux rien faire sans le Seigneur. Et le Seigneur est en train de te dire clairement que si tu deviens un bon ouvrier, c'est parce que le Seigneur a mis en toi le vouloir et le faire. Amen. Donc ça ne vient pas de toi. Donc tu n'as aucun mérite aux œuvres et tout ce que Dieu veut que tu fasses, tu le feras. Dieu peut endurcir ton cœur comme il l'a fait pour Pharaon, renvoyer dans ton cœur un démon comme il l'a fait pour Saül. S'il ne veut pas que tu sois sauvé, tu ne seras pas sauvé. Jésus est une pierre d'achoppement pour ceux qui doivent se perdre. Nous, on est prédestinés à être sauvés, mais il y en a d'autres qui sont prédestinés à se perdre. Hein. Enfin, ils sont prédestinés à se perdre. Je ne pense pas que Dieu a des mauvais desseins comme ça, je ne pense pas, j'en sais rien, mais il est Dieu. C'est lui qui a pouvoir de vie et de mort, c'est le principe d'être Dieu, les amis. Amen. Il a tout créé pour sa gloire. Donc ce pharaon qui a existé, on a pu voir la gloire de l'Éternel, les 10 plaies sur l'Égypte et tout ça, on a pu voir une partie de la gloire de l'Éternel grâce à ce pharaon qui s'est rebellé contre Dieu. Il s'est rebellé tout seul contre Dieu. Mais après, Dieu lui endurcit le cœur pour qu'il continue à se rebeller, qu'il augmente sa punition. Donc tout est fait pour le Seigneur, pour sa gloire. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Alors des fois, j'ai tendance à dire « Oh, j'en ai marre, je suis fatiguée. » Là, on a tendance à se plaindre, c'est la chair. Puis on a tendance à discuter. Ça aussi, il faut que ça s'en aille. Il faut qu'on apprenne à être chargé. Jésus, il a été comme un brebis à l'abattoir, comme un agneau à l'abattoir, comme une brebis, hein. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne s'est pas plaint. Ses mains ont été percées, ses pieds, il a souffert. Mais il ne s'est pas plaint, les amis. Il a supporté son châtiment. Donc nous, c'est pareil, on doit supporter chaque jour. On sait qu'on est fatigué. On n'a pas besoin de le dire. On le sait, on n'a pas besoin de le déclarer. Il faut arrêter de faire des déclarations vaines. Et c'est pour ça qu'on doit rendre des actions de grâce et des louanges à Dieu. Faire des choses qui ont un impact spirituel. Faire des déclarations vaines, je suis fatiguée, je suis malade. Non, 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 non. Ça montre que tu casses cette ambiance de foi là. Tu vois, tu casses quelque chose. Tu le sais que t'es fatiguée et chargée de l'évangile. Tu le sais. Donc arrête de te plaindre. Non, mais là, je suis en train de me crier dessus à moi-même, les amis. Hein. Je ne vous crie pas dessus parce que je suis en train de me crier dessus à moi-même parce que moi-même, j'ai tendance à le faire. Tu le sais. Alors arrête de faire des déclarations, même t'es fatigué et chargé. Je suis fatigué et chargé, éternel, je te rends grâce, amen. Transforme ça en action de grâce, en louange. Je suis fatigué aujourd'hui, Seigneur, d'être chargé, mais je te rends grâce, amen. Ah, c'est mieux, t'as pas cassé le truc. Je suis fatigué, Seigneur, j'en ai marre, boum,
Voilà, t'as vu comment ça coupe, ça casse un truc. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu, sans tache, au sein d'une humanité. Donc il est généreux encore de dire une humanité parce que on est quand même sous l'influence de la bête. Donc une humanité, il aurait pu dire au milieu d'animaux, mais bon, on n'aurait peut-être pas compris de ce qu'il voulait nous dire. C'est pour ça qu'il utilise le terme humanité. Mais on se dit, il est sympa quand même Dieu. Au milieu d'une humanité, voilà, dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le monde est ténèbres. Et le monde cherche à continuer à vivre sans Dieu. Il ne vient pas à la lumière, car ses œuvres sont mauvaises, les amis. Amen. En portant la parole de vie, ainsi lorsque viendra le jour du Christ, donc viendra le jour du Christ, le jour du Christ c'est quoi? C'est l'avènement de notre Seigneur sur la nuée du ciel, tout œil le verra. Et quand Christ paraîtra dans la gloire du Père, parce qu'il revient dans la gloire du Père, vous aussi, vous paraîtrez dans la gloire parce qu'il vous enlève pour vous faire entrer dans sa gloire. Amen. Ainsi lorsque viendra le jour du Christ, pardon, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Donc on va briller dans la gloire de Christ. Voilà un homme, Paul, qui s'enorgueillit aussi là. Vous serez mon titre de gloire, non, cher frère Paul, aux Philippiens. Non, on aura fait acquisition d'un nouveau corps dans la gloire du Seigneur, pas par nos propres mérites, mais parce que Dieu nous l'a donné. On sera dans la gloire qui appartient à Dieu déjà. Vous voyez, déjà, même Paul, il aurait fallu le reprendre sur certains points. Amen. Même moi, j'ai besoin d'être repris sur certains points. Et il ne faut pas en avoir honte. Il faut juste accepter que tu ne sais pas tout, tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain et tu as le niveau que tu as. Mais si tu es sage, tu chercheras à faire des mises à jour régulières. Il n'y a que les insensés qui pensent tout savoir, qui ne font pas de mise à jour. L'Église catholique, elle pense tout savoir depuis je ne sais combien d'années, là, et elle ne fait même pas de mise à jour. Hein. Elle rabâche sa même connerie. Je suis désolée, mais on ne peut pas être idolâtre à ce point, quoi. Hein. À un moment, même mon téléphone, il fait des mises à jour. Même ma télé, elle a besoin de mise à jour. Même toute chose a besoin de faire des mises à jour. D'accord? Il y a que dans le monde qui font pas de mise à jour. L'école, elle reste la même depuis X années. La politique, c'est les mêmes cacahuètes qu'on nous sert depuis X années. Les églises, les sectes, les religions, c'est depuis des années pareil. Il faut faire pareil, il faut reproduire. Non, attendez. Faut arrêter la connerie, quoi. Quelqu'un qui est né il y a 1000 ans, il n'est pas comme quelqu'un qui est né aujourd'hui. Donc forcément qu'il y a des mises à jour. Et forcément que Jésus-Christ est le Dieu de tous. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu et le Seigneur des gens qui vivent au Moyen-Âge et il est le Seigneur des gens qui vivent en 2024. Hein. Ta façon de vivre au Moyen-Âge, c'est pas la même qu'en 2024. Je suis désolée. Donc il faut faire des mises à jour. Et Dieu lui-même, il a fait une mise à jour. Donc arrêtez de dire qu'il faut sans arrêt reproduire ce qui se faisait dans les temps anciens. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'arriverez jamais à reproduire ce que faisait Abraham. Hein. Il vous faudrait vivre dans le désert avec des chameaux, vivre sous des tentes. Est-ce que c'est votre cas? Non, c'est pas votre cas. Donc ne dites pas que vous avez la religion d'Abraham, parce que vous mentez quand vous dites ça, vous faites des faux témoignages. Acceptez votre situation actuelle. Vous êtes en 2024 dans un monde qui a évolué technologiquement, mais là, il est toujours coincé dans le péché. Et acceptez que Dieu lui-même te reprenne, te corrige, te censure, t'exhorte et te fasse vivre une relation avec lui que n'avait pas Abraham. C'est ça qui est merveilleux. J'ai pas à avoir la relation que vivait Abraham parce que je suis pas Abraham. D'accord? Donc j'ai pas à m'idolâtrer puis à me prendre pour Abraham. Moi je suis Avril, j'étais Jessica, le Seigneur est venu vers moi et le Seigneur m'a donné une nouvelle identité, il vit sa relation avec moi, personnellement. C'est comme si... comment je pourrais dire ça? Les gens regardent Dieu comme si Dieu devait avoir la même relation tout le temps avec tout le monde. Non, Dieu lui-même est un père. Tu peux pas te conduire avec cet enfant-là comme tu te conduis avec l'autre. Moi, je rigole plus avec mon garçon.
Des fois, enfin, avant, quand je vois la bagarre, tout ça, je rigole plus avec mon garçon parce qu'il a plus d'humour, il est plus ouvert. C'est un mec, il est plus cool. Alors que mes nanas, mes filles, elles sont plus strictes déjà. Elles sont déjà beaucoup plus matures et beaucoup plus strictes. Elles vont vite se vexer si je rigole avec elles et tout ça. Donc, en tant que mère, oui, je les aime, mais j'ai une relation différente avec chacun d'eux. Ils sont différents. Amen. Je peux pas demander à mon fils d'être comme mes filles ou à mes filles d'être comme mon fils. C'est pas possible. Et Dieu va pas nous demander à nous, êtres humains, d'être comme autant de Paul ou comme autant des gens qui vivaient dans le Moyen-Âge ou comme autant d'Abraham ou comme autant d'Adam et Ève dans le jardin. Il va pas nous demander ça. Ben non. Amen. Non. Quoique, Jésus est le nouvel Adam. Donc, il va nous faire vivre selon le nouvel Adam. Et le nouvel Adam est-il comme l'ancien Adam du jardin? Je crois pas. Parce que le nouvel Adam, c'est l'image parfaite de Dieu. Alors que l'ancien Adam, c'était l'image de Dieu. Amen. Mes chers amis, vous avez donc toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. C'est un projet de Dieu qui se déroule. Donc, c'est pas la même chose qui se reproduit en permanence. C'est pas la même religion et secte où faut vivre comme un petit robot programmé. Non. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En portant la parole de vie, ainsi lorsque viendra le jour, en portant donc l'évangile dans votre cœur, ainsi lorsque viendra le jour du Christ, votre Dieu, qui revient dans la gloire, qui va paraître au monde, étant Dieu, il va se montrer au monde, Jésus étant Dieu. Vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru en rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Ouais, il dit pas ça pour s'enorgueillir en fait. Il dit ça, Paul, parce qu'il a travaillé pour le Seigneur et vous vous rendez compte que ce qu'il faisait vis-à-vis de vous, parce qu'il vous servait, c'était utile. Ça vous a édifié, ça vous a permis d'avancer dans le Seigneur. Amen. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Amen. Vous aussi, de la manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi, de libation. Donc, s'il doit se mettre au service de tous, pour que la joie des frères et sœurs en eux soit parfaite, de servir bien le Seigneur, il est prêt à accepter à travailler et à agir. Donc, je vois que finalement, il ne parlait pas avec orgueil. Amen. Et je m'excuse spirituellement vis-à-vis de notre frère Paul, s'il est offensé, si je l'ai offensé. Bon, il dort encore dans le sommeil, mais que je ne mette pas dans l'esprit de Dieu qui nous unit des choses entre moi et Paul qui pourraient nous empêcher tous les deux d'être bien. Amen. J'espère en comptant sur le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Donc Timothée lui donnait des nouvelles des églises et Timothée récupérait les lettres que Paul écrivait, et lettre à Timothée. Donc Paul écrivait à Timothée, et Timothée allait lire les lettres de Paul aux églises. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui me concerne. Donc vous voyez, dans les lettres de Paul, il nous parle un petit peu de sa vie, de ce qu'il vit, voilà, de qui il a rencontré, tout ça. Il nous donne un peu de détails sur sa vie charnelle, mais on ne se connaît plus selon la chair, donc on n'en a un peu rien à faire. Je m'excuse d'être cru si je suis cru et que ça vous choque, mais on n'en a un peu rien à faire de la vie charnelle. Mais finalement, c'est bien qu'il nous montre quand même ce côté charnel, parce qu'on peut se faire une image de l'Église comment elle était avant. Et l'Église, elle n'était pas parfaite, hein. Elle se bourrait de coups, elle travaillait pour le Seigneur, donc on ne doit pas ressembler à cette Église. On doit faire mieux que ce que faisait cette Église. Amen. Si tu es en compétition, mon ami, tu n'es pas en compétition avec l'Église qui est passée avant, tu n'es pas en compétition avec Abraham qui vivait sa relation avec Dieu, tu es en compétition avec toi-même, avec le toi d'hier. Tu dois faire mieux que ce que tu faisais hier pour servir le Seigneur aujourd'hui. Amen.
Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Voilà, il y a quelques consolations pour l'instant quand tu rencontres un élu de Dieu. Tu es consolé de rencontrer quelqu'un qui partage ta foi et d'être uni grâce au Saint-Esprit avec cette personne. Amen. Vous ne vous connaissez pas selon la chair. C'est le Saint-Esprit qui vous unit. Vous êtes unis à cause du nom de Jésus. Donc, voilà ce que Paul vivait, tu vois. Il écrivait à ses Philippiens, mais ses Philippiens ne se souciaient pas de lui. Il n'y a personne ici, alors non. Il écrivait aux Philippiens, les Philippiens certainement qui se souciaient de lui. Mais là où il se trouvait, on ne sait pas, c'est pas dit. Il n'y a personne ici en dehors de Timothée pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne, donc vous les Philippiens. Il se trouvait dans une église de frères et sœurs élus qui cherchaient à servir le Seigneur et qui ne se mettaient pas en peine des brebis. Nous, on n'est pas le berger, donc on ne se met pas en peine des brebis. C'est clair, on n'est pas là pour être le sauveur de tous. On n'est pas là pour être le consolateur de tous. Je ne te dois rien que t'aimer. Et t'aimer, c'est te respecter. Donc, qu'ils ne se mettent pas en peine, ce n'était pas un mal. Ils ne péchaient pas. Ils se mettaient en peine d'être agréables à Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire, les amis. Et voyez, Paul n'avait que quelques consolations. Il ne vivait pas dans une église qui était vraiment sans péché, sainte, irrépréhensible et très pieuse, tout de suite à céder, à prier les uns pour les autres, tout ça. Non, il était seul dans son affaire. Et vous serez seul aussi, les amis. Mais il est bon que vous soyez seul. Christ était seul à Gethsemane. Les 12 apôtres n'ont pas pu veiller et prier une heure avec lui. Amen. Car tous ne s'intéressent qu'à leur propre affaire et non à la cause de Jésus-Christ. Alors là, si pour le coup ils péchaient, parce que du coup ils s'intéressaient qu'à eux-mêmes et pas à Jésus-Christ. Si tu t'intéresses qu'à toi-même en esprit pour grandir en Christ et puis être agréable au Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais si tu t'intéresses à tes affaires, à tes propres affaires, tu t'intéresses même pas aux affaires de Christ, ça veut dire que tu t'intéresses à la chair, mais pas au Saint-Esprit. Donc du coup, c'est pas bien. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Voilà, on doit servir l'Évangile. Et servir l'Évangile, l'Évangile, c'est la vie de Jésus. Donc c'est se mettre au service de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu et tu es son ange. Ta mission est de le servir. Et donc, servir les autres membres de son corps, parce que son corps, c'est les autres membres de son corps, c'est l'Église. Amen. C'est le corps de Dieu. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué, que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Les Philippiens soutenaient Paul, même à distance, ils lui envoyaient des vêtements propres, pas de l'argent, mais de la nourriture, parce que Paul était vraiment prisonnier en Christ. Il n'avait pas le temps de travailler dans le monde pour gagner quoi que ce soit. Et Christ pourvoyait au bien-être de Paul. Paul vivait de l'Évangile, amen, comme les apôtres. Il vivait de l'Évangile. Il vivait des dons de l'Église et tout ça, amen. Ils avaient reçu gratuitement, ils devaient donner gratuitement, ils ne devaient pas se faire payer pour ça, mais quand on leur donnait quelque chose, qu'on leur offrait quelque chose, ils devaient l'accepter avec joie. Amen. Parce que les frères et sœurs aiment bien, des fois, se mettre à ton service aussi, te rendre l'appareil. Amen. Faire du bien à ton âme. Et voilà, c'est comme ça. Amen. Il y avait en effet un grand désir de vous revoir et ils étaient préoccupés parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, donc ils étaient en souci, ils priaient pour le frère. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Parce que ce que vivait déjà Paul, tout seul, avec une église pécheresse, très pécheresse, qui se souciait des affaires du monde et pas de l'esprit. Paul allait exhorter des églises très très pécheresses, hein, sur le chemin de la perdition. Hein. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes
car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Amen. Voilà. Et il a failli mourir parce qu'il était combattu dans le monde. Voilà. Mais est-ce que la mort nous séparera de Dieu ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pas de la mort, de l'amour de Dieu. Ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la mort. Rien. Amen. Et l'amour de Dieu, c'est l'évangile, les amis. Amen. Alors, il est déjà 7h25, mes petits choux. Je suis là depuis les 6h du matin et vous aussi. Ça fait beaucoup à attendre derrière, hein, je sais. Hein, vous usez de patience et c'est très bien. Ah là, le fruit du Saint-Esprit, il est mis à l'exercice. Amen. Est-ce que vous êtes patient derrière l'écran? En plus, c'est très tentant de défiler sur TikTok. Mais vous êtes très patient et je vous en remercie de tout mon cœur. Amen. Et vous en serez que édifiés, les amis. Gardez patience et ayez des oreilles pour entendre. Quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, il s'en va pas au milieu d'un discours, il écoute. Amen. Mais j'essaye de faire faire au plus court, justement. Alors, je vous ai fait écouter le chant inspiré par le Saint-Esprit pour vous en donner un aperçu de ce qui peut vous arriver. Amen. Et c'est normal. J'ai reçu un cadeau du Seigneur moi aussi parce que le frère, alors j'ai pas pu prendre frère Philippe le live, j'ai pas pu le récupérer, hein, fait exprès, le live où le Seigneur il te dédicaçait l'histoire que j'avais racontée au sujet des brebis. Moi j'en ai eu une avec un âne et j'avais envie de vous la faire écouter ce matin, elle est pas trop longue. J'ai une énigme aussi pour les disciples, Proverbe chapitre 30 verset 4. Alors je vous donne le verset, c'est une énigme. Et est-ce que vous pourrez y répondre en esprit? Donc ça, c'est à faire chez vous. Proverbe chapitre 30, verset 4. C'est le verset de la Louis II. Hein. Donc si vous avez une Bible différente, vous ne tomberez peut-être pas sur le même verset. Prenez-le à la rigueur sur Google. Vous tapez Proverbe 30, verset 4. SSG, Louis II, hein, l'abréviation de Louis II. Proverbe chapitre 30, verset 4. Et c'est une énigme. Est-ce que vous pourrez répondre à cette énigme? Voilà. Avant de vous raconter la petite histoire avec l'âne, parce qu'on va finir là-dessus, mes petits choux, je vous prépare déjà, je vous mets déjà par rapport à 14h30 un petit peu dans le bain, hein, dans l'eau du jour plonge, amen, dans l'eau. Jean-Baptiste était précurseur de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un précurseur? Alors, j'ai une petite définition, puis une petite comparaison, et c'est plutôt pas mal. Alors, je vais reprendre la définition, je l'ai prise ce matin. Un précurseur est une personne dont la doctrine ou les œuvres ont frayé la voie. Donc, frayer, j'aime pas trop ce terme. Quel synonyme on pourrait prendre par rapport à frayer? Je vais essayer de regarder ça. Frayer, là, on dirait un serpent qui couche avec une grenouille et qui vont nous faire des salamandres, là. On dirait une bête qui veut s'accoupler. Frayer, ça veut dire ça, normalement. Ménager, ouvrir, percer, pratiquer. Alors, on va prendre pratiquer, je le trouve mieux. Donc, un précurseur est une personne dont la doctrine, les œuvres, ont pratiqué la voie de l'auteur des œuvres et de la doctrine même. Ce que Jean le Baptiste fait en préparation de Christ, c'est déjà Christ. Amen. Donc, entre parenthèses, il nous met une personne ou un mouvement, l'auteur des œuvres ou de la doctrine. Donc, ça peut être une personne ou un mouvement. Par exemple, la laïcité, le monde en est l'auteur de la laïcité. Et il y a des gens qui sont précurseurs de cette laïcité, qui représentent cette laïcité. Nos Christ, ils représentent Dieu, Jean rendait témoignage à notre Seigneur Jésus, avant même que notre Seigneur Jésus prouve qu'il est Dieu dans l'eau du Jourdain. Hein. Voici mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour, le Père en témoignage du Fils dans le Jourdain même, que Jésus-Christ est Dieu, la colombe, le sceau de Dieu descend sur lui, il a tout pouvoir, toute autorité, il va manifester ce qu'on appelle dans notre jargon spirituel le Messie, donc le Paraclet, le Shiloh, le Libérateur. Il va ressusciter les morts,
c'est une libération. Une libération des âmes de la mort. Guérir les malades, c'est une libération, mes petits choux. Une libération de la maladie et de l'emprise des démons ou des malédictions. Il va donner à nourrir des gens, leur apprendre à prier. Donc c'est une forme de nourriture, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une libération. Libération d'un joug, la famine. Vous voyez, il est le libérateur. Et ça, on verra au moment où Dieu voudra qu'on le voit un peu plus en profondeur, mes petits choux. Amen. On n'a pas fini d'avoir des beaux lives et d'être gâtés par le Seigneur. Amen. D'être gâtés. Alors, le Seigneur, pas dans le terme africain, être gâté. Pour un frère africain, être gâté, c'est être gâché. Nous, ici en Europe, être gâté, c'est que Dieu prend soin de nous et que Dieu nous chérit, nous donne et nous donne et nous donne et nous donne en abondance des bonnes choses. Amen. Donc un précurseur, il va représenter l'auteur de la doctrine ou des œuvres, voilà, par ses paroles et par sa façon d'être. Amen. Alors, j'ai bien aimé parce que dans la définition, je retrouve ceci, signe précurseur de l'orage. Et je me suis dit, c'est pas mal que je reprenne ça. Donc, quel signe précurseur on a de l'orage ? L'orage, c'est elle l'orage, hein, c'est elle l'auteur, mais on a les éclairs qui nous montrent, ça tonne, où il y a des éclairs, il va y avoir de l'orage, il va pleuvoir, il va y avoir l'orage. L'orage, c'est la pluie, les éclairs et le tonnerre en même temps. Mais des fois, tu as les signes précurseurs avant l'orage, les éclairs et t'entends tonner. Il pleut pas encore, elle est pas là, elle sera là quand il va pleuvoir, quand il y aura tout. Mais on a des signes précurseurs. Et les prophètes étaient des signes précurseurs du libérateur, du Messie, et les apôtres nous représentent le Messie, mais ils viennent après le Messie. Amen. Mais ils nous le représentent quand même. Et Jean, dernier prophète, parce qu'après il y a le prophète des prophètes, donc la personne du Messie, Jésus-Christ, qui accomplit la loi et les prophètes. Donc il n'y a plus besoin qu'on ait des autres évangiles avec des prophéties et des faux prophètes. On n'a plus besoin de ça après Jésus-Christ. Amen. Parce que ça s'arrête à Jean. Et Jean est le précurseur de l'auteur de toute la doctrine des prophètes et de toutes les œuvres des prophètes, donc de la Torah et tout ça, donc de Dieu. Amen. C'est magnifique. Il rend témoignage à Dieu, mes petits choux. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal de vous mettre ça en forme de parabole, cet orage. Surtout que mon chéri m'a donné, comme ça lui a été agréable, il m'a donné un verset, parce que vous aussi, vous êtes pour vos frères et sœurs l'Église, des précurseurs, comme Jean. Vous ouvrez la voie à vos frères, c'est comme si vous ouvrez la voie à vos frères, pour qu'ils aillent se faire baptiser, pour qu'ils aient envie de servir le Christ. Donc vous représentez Christ avant même que Christ ne revienne sur la nuée du ciel, qu'il revienne dans son avènement. Amen. Et le Seigneur m'a donné donc Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel Jésus-Christ, Dieu, donna donc un nom nouveau, parce qu'ils avaient reçu l'ichtus et la pierre. Il donna le nom de Boanerges, qui signifie un titre, mes petits choux. Donc il leur donne une autorité spéciale, qui signifie fils du tonnerre. Fils du tonnerre, fils de Dieu. Parce que la voix de Dieu est comme un bruit de grosse eau et un bruit de tonnerre, mais aussi comme un bruit de joueur de harpe. Donc comme la voix de David qui jouait de la harpe, mes petits choux. Parce que Dieu parlait en David, et David prêchait au chef des chants, donc au chef des 12 tribus d'Israël. Il envoyait sous forme de cantique, de psaume, tout l'enseignement de Dieu. Parce que David était prophète et roi, à l'image même de notre Seigneur Jésus-Christ, un prophète et roi. Donc, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, deviennent des fils de Dieu, ils changent de nom, ils s'appellent Boanerges tous les deux. Et Boanerges, ça veut dire les fils du tonnerre. Donc, ils sont comme des éclairs, des précurseurs avant l'orage, avant Dieu. C'est eux, donc, les anges
qui vont faire des choses avec le Seigneur, ils seront pour nous. Dieu est comme le bruit de gros sauts, la voix de tonnerre. Donc avant que l'orage ne se manifeste, il y a des éclairs. Il y a Boanerges, donc Jacques et Jean, amen, qui viendront rendre témoignage au Seigneur, deux témoins. Et Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui veut dire, voilà, fils du tonnerre. Et nous, on est des précurseurs, on représente Dieu avant que Dieu n'arrive. Amen. Et vos frères même, le Saint-Esprit me donne encore un verset, vos frères glorifieront Dieu parce que Dieu les aura visités à travers vous, verset biblique. J'arrive pas à le faire sortir, les amis. Je suis morte à la chair, j'arrive pas à faire sortir le verset même que le Seigneur me donne. Vos frères glorifieront Dieu de les avoir visités, verset biblique. Dieu les visite à travers nous. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, 1 Pierre chapitre 2 verset 12, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc j'ai pas réussi à le faire sortir comme il me le donnait. Voilà. Mais Dieu les visite déjà à travers nous. On est des précurseurs, comme Jean le Baptiste. On représente le Seigneur avec nos bonnes conduites, nos bonnes œuvres, avec l'Évangile. On les incite à lire l'Évangile. Et quand Dieu même, tout œil le verra, donc Dieu visitera, les visitera tous finalement, ben ils donneront gloire à Dieu. Donc ils plieront leurs genoux et ils se souviendront de nous que Dieu nous avait envoyé leur parler. Sur ce, mes petits choux, alors est-ce que je vous ai tout donné ? Ah, la petite histoire. Donc, on termine avec la petite histoire. Alors, ça va nous faire terminer sur le coup des 8 heures. Ouais, je sais. Mais c'est des lives génial, les amis. Amen. Ah, eh ben on va arrêter là. Il me dit, tu peux le faire cet après-midi parce que j'ai encore quelque chose à te donner vis-à-vis de ça, de la petite histoire. Alors, c'est une petite histoire avec l'âne. Donc, eh ben vous aurez la suite à 14h30. Le Seigneur, du coup, il veut qu'on arrête, les amis, parce que ça fait déjà beaucoup pour vos petites têtes ce matin. Alors, je dis au Seigneur, j'ai chéri, je trouve que les élus n'ont pas beaucoup de questions quand même. Mais il m'a montré que bah, c'est normal. Hein. Vous êtes bien rassasiés. Donc, quand tu es bien rassasié, que tu as bien mangé, généralement, tu veux pas de dessert après. T'as pas trop de questions, t'es pas trop... Vous avez bien mangé, les amis. Amen. Voilà. En tout cas, vous êtes agréable au Seigneur parce que le Seigneur, il voit que vous vous donnez la peine d'entendre et puis d'essayer de faire au mieux derrière avec tout ce que vous avez reçu parce que vous avez reçu beaucoup. Moi, j'ai eu le temps, j'ai reçu petit peu par petit peu sur plusieurs années. Donc, j'ai eu le temps d'assimiler tout ça dans ma tête. Mais vous recevez vraiment des quantités de nourriture. Il faut du temps. Mais il voit que le Seigneur vous donnez la peine. Et le Seigneur, il va vous donner, il va vous édifier. Il va, derrière avec le Saint-Esprit, il va vous élargir pour que vous puissiez justement assimiler toute cette nourriture et puis mettre en pratique après correctement. Vous inquiétez pas, les amis. Amen. Voilà. Si le Seigneur vous donne vraiment en abondance, c'est parce qu'il n'y a plus de temps et le Seigneur vous veut prêt. En tout cas, le Saint-Esprit content, et quand le Saint-Esprit content, nous aussi on est content, parce que de voir heureux le Seigneur, on est heureux, et du fait qu'on est heureux grâce à lui, il est heureux, parce que c'est sa mission, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sous la grâce, je vais aller sortir mon chien, bah, du coup j'ai pas pu rentrer dans l'Ichtus à 7h, moi, parce que du coup mon live était trop grand ce matin, l'ange de l'Éternel est venu, mais peut-être dans les prochains jours, voilà. Si je finis avant 7h, j'aurai le temps de tracer mon ichtus. D'abord, j'aurais même pas pu tracer mon ichtus ce matin. Je me suis rendu compte. J'ai pas remonté mes craies de la cave. Elles sont dans la cave. Je suis allée sortir le chien, puis je suis allée les chercher. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À 14h30, je vous retrouve. Louons l'Éternel, car il est bon. Louons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le juge des juges, le saint des saints. Notre loi vivante, l'Éternel des armées, en Jésus-Christ, notre Messie, notre libérateur. Amen. Shalom, bye bye, les amis. Merci. Merci. Et gloire à Jésus, hein. Amen. Merci à Jésus.